s'appelle en longue distance. Le sud-ouest de la France, on s'appelle, station 14 Alpha Romeo 1763. L'opérateur Richard de la Vise de Bordeaux qui repasse en stand-by à votre écoute. Gérard, en France, à l'écoute 27 440, 27 540. Attention à la fréquence, l'opérateur Gérard, en stand by écoute. Oui, attention Gérard, les bonnes 11351 à vous de la part de Rémi, indicatif 14 Oscar Delta Romeo 002 en mobile sur le sud-ouest de France, pas très loin de Saint-Émilion. Je te réponds pas. Attention Gérard, la division 233 sur Bordeaux, avez-vous une copie? Ah, j'ai une copie de beaucoup de personnes, hein. Vous êtes au moins 5 ou 6 à vouloir discuter. Le problème c'est que je ne peux pas prendre tout le monde en même temps. Et ça, j'en suis vraiment désolé. Donc le premier qui veut prendre la parole. Allez-y. Stand-by pour moi, allez-y, Dundee. Oh, quelqu'un m'a grillé, là. Hachi, j'ai été reconnu, je sais pas qui. Oui, 88, madame. Du coup, ça m'a coupé la chic. Oui, les bonnes 73-51, vous, la station. De 14, Oscar Delta Romeo 002, opérateur Rémi. QRZ local sur le sud-ouest d'Andy 33 et je suis actuellement en station mobile mode expédition. Ouais, c'est-à-dire que là j'ai tout le matériel dans la voiture, je suis actuellement en train de faire une petite vidéo. Et pour l'antenne, c'est le président Himalaya perché à 6 mètres de haut, installé dans une remorque que j'ai actuellement accrochée là derrière la voiture. Le retour de micro. Oui, eh bien, moi ce que j'ai, c'est de la Supercharge 1009 N, et puis tout est d'origine, il doit sortir dans les 15 ou 20 watts, je ne sais plus, 25 watts peut-être, et puis l'antenne, c'est une image 2000, qui est perchée à 10 mètres du sol. Ok, d'accord. Oui, j'ai oublié de dire le poste. Le poste, c'est un Yaesu FT-450AT. Habituellement, pour ce genre d'expédition, enfin, pour ce genre d'installation mobile, j'utilise plus l'autre poste que j'ai également là avec moi, c'est-à-dire le Summercamp TS 2000. Mais ce matin, j'ai eu un petit souci avec, avec la chaudière, à Chitroicou. J'ai demandé un petit peu trop, j'ai poussé un petit peu trop la chaudière, ben maintenant elle pousse plus du tout. Hein. Elle pousse plus du tout, j'ai eu la surprise que j'ai dû griller les PA certainement. Bon ben c'est pas grave, hein. J'ai pris du coup le DK avec moi là dans le push. Et que ça ne m'empêche pas de moduler, quoi. Hachi. Nous avons une YL de Florac, je pense, si je devine bien qui c'est. Je vais avec votre permission, je vais la faire rentrer dans le QSO. Retour à vous, madame, et bonne 88. Elle est partie. Ah, c'est dommage. La dame là qui m'a reconnu, oui, en avant. Oui, alors, excusez-moi, Dundee François Rémy, mais c'est pas une dame qui vous a retourné le micro. C'est un monsieur avec une belle paire entre les jambes. On est au juillet 294, Jean-Claude sur Bordeaux. Alors, en passant, j'en profite pour saluer la station qui est sur la division 233, en l'occurrence Gérard. Voilà, Gérard, vous êtes 55 ici sur Bordeaux, intramuros, et je vous retourne le micro avec grand plaisir. RG94, Jean-Claude Bordeaux, votre écoute. Désolé Jean-Claude pour la confusion. Ok, ben pour moi, il n'y a pas de problème, hein, Jean-Claude, ben, tout le meilleur chiffre, hein, oh, vous verra à degré. Et puis, ben, j'espère que tout est bien chez vous, que vous n'avez pas trop de problèmes d'inondation, comme vous avez dans le sud actuellement, je pense, par retour. Bien, je vous remercie Gérard de vous inquiéter un petit peu de ce qui se passe là pour nos collègues français dans le sud de la France. Évidemment, il y en a qui ont eu à souffrir et quelquefois 2 ou 3 fois dans le discours. Alors c'est pas agréable. Le feu c'est une chose, on peut toujours l'arrêter avec l'eau, mais malheureusement l'eau on ne peut pas l'arrêter avec le feu. Alors ça c'est vraiment une catastrophe. Donc sur Bordeaux, moi je suis sur Bordeaux intramuros, hein. Aujourd'hui une très belle journée, notamment cet après-midi, très chaude avec du soleil, le change un petit peu des jours précédents. Voilà, j'aurais quand même pas laissé lundi 33 de côté, Rémi, et je vais vous retourner le micro avec les salutations et les amitiés. Retour Rémi. Ouais, 73, désolé pour la bourde, la voix me faisait penser plutôt à une YL d'un certain âge. Je suis complètement désolé, va falloir que je nettoie un petit peu mieux mes oreilles, parce que là je crois qu'il y en a besoin. Gérard, je crois, vous nous avez pas donné votre QTH, retour de micro. À nettoyer, mais pas faire comme avec la chaudière, ça risque de chauffer un peu trop fort. Par contre, bon, ici c'est combien, 100 km à l'ouest de Bucarest, la capitale de la Roumanie. Donc ben voilà, question météo, c'est gris, un peu de vent et une température moyenne de 20 degrés. Retour. Ok d'accord, et bien pour nous, je pense qu'on doit être au-dessus de 20 degrés. Avec un beau soleil. Et je fais un petit peu attention là, à ce que je fais, parce que là je suis au milieu des vignes. Alors si je tiens à tenir le QSO jusqu'au bout, en plus en ce moment c'est les vendanges, alors je vais essayer de rester sobre. Oui, il vaut mieux ménager le matériel. RJ294, Jean-Claude Bordeaux qui reprend. Voilà, et bien Gérard, moi je vais vous rendre votre liberté, bien sûr, parce que je suppose qu'il y a peut-être d'autres OM derrière qui désirent faire un contact avec vous, et vous de même faire un contact avec d'autres personnes, ce qui est bien logique, tout à fait. Je vous remercie d'avoir répondu, bien sûr, et de m'avoir permis de rentrer en contact avec vous. Je vous souhaite de bons contacts, Gérard, bien sûr, avec toutes les amitiés, et toujours au plaisir. RJ294, Jean-Claude Bordeaux, passant Eric. Bye bye, Denis. Ok, merci, ben, je vais faire de même, de façon à laisser justement la Roumanie faire ses contacts, puisqu'en plus là la propagation est un petit peu dans tous les sens aujourd'hui. Si hier elle était bien stable, bien forte, là aujourd'hui par contre c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Alors moi aussi je vais me retirer sur la pointe des pieds, vous laisser à tous faire vos contacts à droite à gauche, d'autant plus que là tout à l'heure là j'ai eu le Québec, donc ils sont peut-être encore en fréquence là, là quelque part, là d'un bord de l'autre. Donc j'ai envoyé aussi les bandes 73-51 à vous deux. Bon QSO et à la prochaine sur les ondes. Merci beaucoup, c'est Gérard qui a repris là, donc eh bien, travail pour vous deux. Le meilleur chiffre à vous de 233 golf de 044. On vous souhaite un bon après-midi, bonne fin d'après-midi, pardon. Et puis en espérant vous recoquer prochainement sur cette onde. À bientôt, bye bye. Merci, bye bye, et merci encore du QSO. Ok Gérard, de notre propre qui reprend, merci à vous pour le contact et éventuellement, c'était bon Rémi avec d'autres... 2 secondes. 27. Bonjour Floriano là, c'est Magne. Gérard, bravo, bye bye Gérard et de bons contacts. Merci à vous aussi. La Roumanie passe devant le Manguel, hein. Oui, affirmatif Mariano, voilà donc, il y avait Bordeaux. Il y avait la Roumanie, ouais, qui passait très bien. Tout à l'heure, j'ai eu le Québec là sur le 27 625. Là, la propagande part dans tous les sens là. Là, je suis actuellement en mobile mode expédition. Voilà, c'est-à-dire que je suis avec avec l'antenne de fixe, une Président Himalaya de montée là, dans la remorque qui est accrochée là en ce moment derrière la voiture. Et je suis là sur les hauteurs de Sainte-Colombe. Mais puisque tu connais, là, je suis face à la mairie, le grand terrain là où il y a les vignes là, qui est en face de la mairie. Voilà, donc là, je suis en surplomb là de Saint-Émilion, là de tout ça. Quoi. Je me serais bien mis sur la colline de Saint-Magne de Castillon, mais vu qu'en ce moment c'est les vendanges, je sentais pas trop le coup. Je me suis dit, on va pas déranger, de toute façon il y a de la place ailleurs. Oui, ben là, Là, tu me bloques l'aiguille à plus 40, plus 40 dB, là. Ouais, c'est formidable ton émission, là. Oh, mais là, c'est un point culminant, là, ça passe très bien, hein. Parce que jadis, j'allais faire du DX, là, aussi, sur la côte, sur le coteau, sur la baie de Saint-Magne, après, on domine tous Saint-Magne, et là, on arrose au four, au diable. Ouais, c'est pour ça que tu passes très bien. Ouais, sauf que là, j'ai préféré ne pas me mettre là, sur la butte de Saint-Magne à cause des vendanges et tout, mais plutôt sur la butte qui est face à la mairie là, de Sainte-Colombe. Bon, il n'y a pas grande différence. Si, je suis entouré d'arbres. Là, mais bon, je suis quand même en hauteur malgré tout. Oui, là, j'ai eu avec une antenne, je module avec une antenne horizontale, il y a deux éléments que j'ai fabriqués en opposition de phase, c'est-à-dire qu'il y a deux éléments, le directeur et le réflecteur qui sont alimentés tous les deux. Mais là, je ressens très bien les trajets. Et ce matin, j'ai discuté aussi avec l'Espagne, on recevait très fort. Enfin, bon, ça vaut pas la position où tu es là. Là, c'est le top. Hein. Eh oui, mais bon, habituellement, je suis dans le trou, c'est pas le top. Puisque là, ce matin, il y a la Nouvelle-Calédonie là qui passait. Hein. Là, ça fait déjà plusieurs jours là que je les entends. Et là, ce matin, ils passaient vraiment très fort. J'ai essayé de les avoir, et puis bon, bah, tu connais mon QTH QRA. Et donc là, voilà, j'ai toute la colline Saint-Magne, Sainte-Colombe là qui me fait barrage. Ah, pour entendre, j'ai entendu, ouais, mais bon, lui, il m'a pas entendu par contre. Et comble de l'ironie, au moment où je cherchais à l'appeler, non, c'est en suivant, j'ai fait les Pyrénées-Orientales aussi ce matin. Et donc j'étais avec la station prévue pour l'expédition, dont je voulais me servir cet après-midi. Et il a fallu que, apparemment j'ai dû claquer quelque chose au niveau de la chaudière. Et ce qui fait que du coup j'ai débranché le poste fixe, le DK, pour le brancher dans le mobile. Ah oui, ok, c'est très bien. C'est très bien. Moi, je te laissais discuter avec les stations étrangères, là, parce que bon, ça va repasser pas mal, hein. Et là, je vais travailler un petit peu parce que j'ai commencé à nettoyer mon balcon, là où j'avais une christophine qui avait monté et ça m'avait envahi de lianes partout. Alors j'ai commencé à couper tout ça, j'ai récolté les christophines. Je sais pas si tu connais ça, ce fruit. Non, pas du tout. Ah oui, c'est des fruits allongés, verts, bon, christophines. Bon, si tu as internet, si tu peux regarder sur internet, tu vas voir l'image. C'est très bon, il paraît que c'est très bon pour... on fait des gâteaux avec, on fait un tas de trucs, ça peut se manger n'importe comment, rien de cru. D'accord, ok. En fait, attends, là, je vais rester en émission mais faire une petite porteuse blanche là pour voir quelque chose. Ah si, il y a quand même un souci. Hein. Il faudra qu'il parte en réparation. Là, je m'en sers exceptionnellement là parce que bon, je voulais à tout prix faire une sortie mobile. Faire une sortie DX et en mobile, et bon, j'ai quand même un petit souci derrière. Bon, j'essaie de pas trop abuser quand même avec, mais bon, ça me plaît pas trop ce truc. Enfin bon, bref, maintenant j'ai deux trucs à faire réparer, je suis content, le Yaesu et la chaudière. Bon, c'est pas grave, ok, je regarderai ça sur internet, y a pas de problème. Bon, je vais retourner, je naviguais un petit peu à droite à gauche, voir un petit peu ce qu'il y a. Si hier il y avait beaucoup de Québécois, aujourd'hui il y a beaucoup de propagues des pays de l'Est qui perturbent pas mal, qui empêchent justement de les entendre. Là c'est bien dommage. Mais bon, je voulais pas que je suis encore là sur les hauteurs, j'aimerais essayer d'attraper quelque chose quand même hachi. Donc je t'ai envoyé les bandes 73 et merci de ce petit contact. Et je te dis à la prochaine sur les ondes. Ok, allez, au revoir, Rémi, bon après-midi, et tu fais de bons contacts. Là, j'ai pas besoin de me dire que c'est toi. Vu le signal qui arrive, là, je sais que t'es pas loin. Allez, salut. Ok, salut. Break pour le sud-ouest de France. Break pour le sud-ouest de France. Break pour le sud-ouest de France. Oui, allez-y, le sud-ouest de France. Oui, les bonnes 73 à vous de la part de Rémi. Indicatif 14 Oscar Delta Romeo 002. Actuellement en mobile sur le sud-ouest de France, pas très loin de Saint-Émilion. Oui, ok, Rémi, pas très loin de Saint-Émilion. J'ai pas pris l'indicatif, j'ai juste entendu 002, interrogation à toi, Rémi. Oui, je me suis rendu compte, il y a une balise qui est passée en même temps. 14 Oscar Delta Romeo 002. Voilà, opérateur Rémi, actuellement en mobile, enfin mobile expédition en même temps, enfin pour la configuration matérielle. Car là, je suis actuellement avec un petit Yaesu FT-450 là, de branché dans le push. Et côté aérien, je suis avec une Président Himalaya perchée à 6 mètres de haut, installée actuellement dans une remorque qui est accrochée derrière moi. Il faut pas trop que je bouge, j'irai pas trop sur la route avec, car je pense qu'on risquerait de me regarder de travers. Ouais, ok, oui, effectivement, hein. Moi, je ne pas qu'on voit spécial là. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, ça passe 57, il y a même eu un passage à 9. Effectivement, ici aussi, par moments, perturbé là par la balise, mais je pense que c'est de passage. Les conditions ici sont modestes, c'est une entrée en 99, qui s'entraîne donc verticale, et le 37 vert est un TS 50 là de chez Kenwood, avec le turner plus 3. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai une perturbation, j'ai une surmodulation, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai compris le début là, du matériel, le TS, ok, d'accord. Après le reste, je ne sais pas si vous m'avez donné votre QTH. Et si c'est le cas, je ne l'ai pas entendu, là, j'ai eu quelque chose, là, une station qui est sur une fréquence à côté, qui m'est montée à 7,9. Je n'ai plus rien compris du tout, là. Hachi, pouvez-vous me revenir, s'il vous plaît, avec votre QTH? Je suis sur l'île Royale, au large de la Guyane, sur l'île Royale, QSL. L'île Royale, la Guyane? Ah d'accord. Eh bien on dirait que l'endroit que j'ai choisi en mobile est pas trop mal quand même. Eh bien là pour une première, c'est une première. Eh bien là moi comme je disais, je suis sur le département 33, à l'est du département 33, pas très loin de Saint-Émilion. Si vous connaissez le bon vin, Hachi, en principe, quand je dis Saint-Émilion, tout le monde connaît. Hein. Je ne sais pas pourquoi, là, une idée comme ça. Et donc là, de mon côté, j'ai un très beau soleil, la température est bonne. Je pense qu'il doit faire dans les 25 degrés, quelque chose comme ça, parce que là, je suis en t-shirt et j'ai pas froid. Hein. Ok, ben je crois que c'est un Américain là qui est en train de me perturber là, parce que là je me suis un petit peu décalé là pour l'entendre. Ok, j'ai entendu là, pour le WX. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben du coup là il m'a perturbé là, avec ses conneries. Je sais plus ce que je voulais dire. Bon en tout cas là je suis pas mal perturbé là, de mon côté. Je vais être obligé d'arrêter le QSO là. C'est bien dommage. Donc je vais vous envoyer les 20 73 51 à vous, content d'avoir eu une station là qui est quand même relativement lointaine. Et je vous dis à la prochaine sur les ondes dans de meilleures conditions, car là je suis énormément perturbé de mon côté. J'ai une station là qui m'arrive à 9 plus 10, j'y comprends plus rien. Est-ce que c'est volontaire ou pas, je sais pas, mais bon, ça fait partie des aléas de la radio. Donc les bonnes 113 51 à vous de la part de Rémi, 14 Oscar Delta Romeo 002, QTH Sud-Ouest France en mobile. Et je vous dis à la prochaine sur les ondes. Ok, là, ben, de toute façon, d'après ce que je viens de voir, ce dernier passage, j'étais en train de vous perdre. Ok, les bonnes 73, à très bientôt.